Good morgen, allez, Idan, les suisses aujourd'hui, le Lunishmat, Dov Ben Yudiz, Aviatar Amram Ben Chedva, si vous souhaitez vous citer une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Masechet Shabbat, Perek Aleph, Mishnah Gimel. Lo yetze achayat be machato samuch lachashecha, shema ishkach ve yetze, velo alavlar be kul muso, velo yefalet kelav, velo ikra le oraner, be emet amru, achazan roe hecha natinokot korim, aval hu lo yikra. À partir de cette Mishnah, on commence concrètement l'évolution vers le Shabbat avec des différents décrets à ne pas faire déjà en préparation à Shabbat. Tout d'abord, la Mishnah m'enseigne que le couturier ne sortira pas avec son aiguille près de, à l'approche de la tombée de la nuit. C'est-à-dire, il a, c'est un peu, pour se faire connaître, comme ça la Gemara l'explique en fait, les différents artisans, pour que tout le monde constate que lui il est menuisier, ou il va avoir son stylo, son crayon par exemple, derrière l'oreille, l'autre, il va avoir le sofer, le scribe, lui il va avoir sa plume derrière l'oreille, le couturier, lui, va se planter une aiguille dans son vêtement. D'accord? C'est sa manière de sortir. Et puis, alors la Mishnah enseigne, ben, sache qu'il n'aura pas le droit, tous ces artisans n'auront pas le droit de sortir avec leur ustensile de la sorte, derrière l'oreille, dans la chemise, de peur qu'ils vont les oublier. Ils vont s'oublier, ils vont les laisser, et puis ils vont sortir ainsi pendant Shabbat, et vont transgresser l'interdit de porter. Pourquoi ils vont transgresser l'interdit de porter? Il y a une halakha qu'on découvrira beaucoup plus longuement plus tard. On transgresse l'interdit de porter à Shabbat que lorsqu'on emporte une chose comme il est d'usage de le transporter. C'est-à-dire un téléphone, on le met dans la poche. Un stylo, on le met dans la poche aussi. Si toutefois, je vais mettre mon stylo sous ma kippa, eh ben, je ne vais pas transgresser l'interdit de porter Shabbat de la Torah. C'est d'ailleurs un conseil que quelqu'un qui doit porter de toute façon dans Shabbat, qu'il mette une petite boulette dans la chaussette, par exemple. C'est une solution. Ça évite de transgresser l'interdit de la Torah. Il y a quand même un interdit des Rabbanan. Peu importe. On vient maintenant dans le vif de notre sujet, en nous disant que, sache que même si je vais pouvoir, moi, sortir avec mon stylo derrière l'oreille, je ne transgresse pas l'interdit de porter pendant Shabbat, autant que si je le laisse sous ma kippa, je ne transgresse pas l'interdit. Malgré tout, les professionnels, les artisans, qui eux ont l'usage de porter leurs ustensiles de la sorte, chez eux, ça s'appelle transporter, ils transgressent ainsi l'interdit de porter pendant Shabbat. De ce fait, Xéra, on décrète que avant Shabbat, il ne devra pas mettre sa plume derrière l'oreille, son crayon derrière l'oreille, son aiguille dans son vêtement, la planter pour que tout le monde reconnaisse qu'il est un couturier, il ne pourra pas le faire pendant Shabbat, d'accord? On va prendre les mots, le couturier ne pourra pas sortir avec son machat, son aiguille, c'est-à-dire comme il dit le Barthénoir, planté dans son vêtement, lorsque la nuit approche, vers la tombée de la nuit, un peu avant la sortie de Shabbat, avant l'entrée de Shabbat, Shema Ishkach veille de peur qu'il va oublier cette aiguille plantée, qu'il va continuer à sortir, il va transgresser l'interdit de porter Shabbat, de porter pendant Shabbat. Et de même, velo halavlar be kul muso. Le lavlar, c'est le scribe. Comme dit le Tiferet Israël, on y dit un Schreiber. Velo halavlar be kul muso. Le scribe, il sortira pas avec son kul mus, avec sa plume, avec laquelle il écrit. Rabbi Kiveiger précise quelque chose de joli, qui a, au nom du Remez, Rav Moshe Zakuta, qui il rapporte en fait que la Mishnah a enseigné un chidouche encore plus grand ici. Parce qu'encore, l'aiguille, c'est quelque chose de petit qu'on plante dans un vêtement. Mais une plume, franchement, ça se perd pas de... On l'oublie pas, quoi, on la voit. Eh ben non, malgré tout, machinalement, il risque malgré tout de l'oublier, d'accord? Autre sujet, alors on lit la phrase, et puis après on explique. Velo yefale et kelav. Yefale et kelav, je sais pas comment traduire le mot yefale et kelav, c'est trier, supprimer les puces qu'il a sur son vêtement. Il ne pourra pas supprimer les puces qu'il a sur son vêtement. Veloikra les or aner. Et il ne pourra pas lire à la lumière d'une bougie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord expliquer c'est quoi le loikra les or aner. Après on va revenir sur l'oïfalet kala pour expliquer deux manières de lire la Mishnah
et comment concrètement il faut la lire pour la halakha. Le Ikra le Oraner, il y a un interdit spécial pendant Shabbat cette fois-ci, on n'est plus dans avant Shabbat. Précision, comme on a dit dans la Mishnah précédente, c'est fréquent dans la Mishnah, lorsqu'on va ouvrir un sujet en décrétant ne fais pas cela de peur que tu vas faire cela, du coup on va te rapporter toute une série d'interdits à ne pas faire qui ont un peu le même principe, même si concrètement on parle plus de la même, on parle plus de la même période, on n'est plus dans Shabbat, comme dans la Mishnah précédente, on avait vu des interdits de faire avant Mincha, alors que c'est tous les jours, en rapport avec cet interdit de sortir avec sa plume avant Shabbat. Idem encore, la Mishnah nous dit, tu sais, même dans Shabbat, il y a encore un interdit, une chose à ne pas faire de peur que tu vas faire une autre chose. C'est quoi? C'est ne pas lire à la lueur d'une bougie, de peur que tu ne vas pas assez bien voir, tu vas t'approcher de la bougie, puis la flamme elle n'est pas assez forte, tu vas te mettre à pencher un petit peu le verre, de manière à ce que la flamme va faire brûler encore plus d'huile pour faire une lumière plus grande. Shema yate est un nerf, de peur qu'il va pencher le nerf. Lorsqu'il va pencher le nerf pendant Shabbat, il transgresse un interdit de brûler davantage d'huile, c'est un interdit de la Torah. Chachamim m'ont dit, tu ne lis pas à la lueur d'une bougie. D'accord? Quelques précisions rapportées dans Boîte Noire, il nous fait un petit compte-rendu de ce qui se passe dans la Gemara. Tout d'abord, même si le nerf il est très haut, il a deux étages au-dessus, tu n'auras pas le droit de lire en dessous, de peur que tu vas faire pencher le nerf, malgré tout. C'est une grande règle, lorsque Rami nous entend une chose, ils ne sont pas entrés dans les petits détails dans cette situation, et dans cette situation, est-ce que c'est mieux? Malgré tout, ils ont quand même fait une exception, c'est si on lit deux personnes en même temps le même sujet. On ouvre un livre et on lit à deux ensemble. Dans ce cas-là, il y en a un qui va aider l'autre à ce qu'il ne va pas s'oublier à faire pencher la bougie. Parce qu'il va lire son ami, il va lui rappeler. D'accord? Et la Mishnah continue encore sur le même sujet de ne pas lire à la lueur d'une bougie. Je reviendrai après sur l'histoire des puces du vêtement. Comme ça, on a conclu un sujet. Behemet Amrou, réellement, ils ont dit, il y a le Rishon Letzion, je crois que c'est le Rachim HaKadosh, qui rapporte au nom du Rushalmi. Un avis qui pense que lorsqu'il y a marqué Behemet Amrou, c'est qu'on est en train de te rapporter une halakha de Moshe Mitsinaï. C'est discuter ce que oui et ce que non sur celle-là spécifiquement. Mais en tout cas, Behemet Amrou, réellement, on a comme transmission cette halakha que quoi? Achazan roe echan atinokot korim avalhu lo ikra. Le chazan, bon, ça peut être le chazan de la Beta Knesset, c'est vrai. Le chazan de la Beta Knesset, celui qui chante. Mais réellement, c'est rapporté ici que le chazan, il s'appelle le chazan. Chazan, c'est le chant de celui qui voit. C'est celui qui apprend aux enfants aussi à lire. Et sur ça, on a dit, le chazan, il peut voir où les enfants sont en train de lire, c'est-à-dire, les enfants, ils préparent la lecture de la Torah le lendemain matin. Ouais, c'est comme c'est fréquent encore dans beaucoup de synagogues, en général, beaucoup plus sfarad, en Israël, c'est très fréquent, où on laisse les enfants monter à la Torah et lire des petits morceaux de paracha. Donc, les enfants, ils préparent, depuis le soir, ils préparent la lecture. Eux, les enfants, ils ont le droit de lire à la lueur d'une bougie. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a un adulte qui est à côté d'eux, il y a le rave qui est à côté d'eux, ils ont peur de lui. S'ils ont peur de lui, ils risquent pas d'aller pencher le nerf. D'accord? Et selon ce principe aussi, ouais, toute personne, c'est un peu la même idée que lorsqu'il y a deux personnes ensemble, ils peuvent lire ensemble, comme ça, une, il va rappeler à l'autre qu'il ne faut pas faire pencher le nerf, la bougie. Idem aussi, lorsqu'il y a un rave avec son élève. Alors l'élève il a le droit de lire, le rave il n'a pas le droit de lire. Parce que si le rave il va se mettre à pencher le nerf, l'élève il va avoir un peu de difficulté, il risque d'avoir peur du rave, de le prévenir. Entre parenthèses, il y en a qui rapportent que même aussi une femme ne pourra pas, un mari ne pourra pas lire en présence de sa femme, parce que le mari il n'a pas peur de sa femme. Je pense que ça dépend de l'origine de la femme. Parce qu'elle est... Enfin peu importe, on ne va pas commencer à parler des communautés. Et voilà, Donc, je reprends. Le chazan lui... Alors, il y a marqué que les enfants, eux, peuvent lire. Le chazan, il a le droit de voir, très vite fait, à partir d'où ils lisent les enfants, de leur dire, toi tu lis ce passage, regardez comment il faut découper la paracha. Parce qu'on a le droit de regarder, on n'a pas interdit de regarder à la lueur d'une bougie. On interdit de regarder quelque chose de précis. Se mettre à lire un livre, c'est quelque chose de précis. Vérifier très grossièrement, voir sur une table, est-ce que la salade, elle est vide, elle est pleine, est-ce qu'il faut la prendre, là, tu as le droit de le faire, selon le même principe. Le chazan, il a le droit de regarder. Toi, tu liras ce morceau-là, et toi, ce morceau-là. Et lire les deux, trois premiers mots comme ça. Mais sans se mettre à lire tout le texte. D'accord? Et chazan, je retraduis la phrase, Behemet Amrou, réellement, ils ont dit, on a une transmission qui nous dit, et chazan, roe, echan atinokot korim,
le chazan, l'officiant de la Beth Knesset, il pourra voir où les jeunes enfants lisent, les aider même. Aval hu lo yikra, mais lui, il ne pourra pas lire. D'accord? Donc là, on a appris maintenant tout un petit paragraphe sur le définir précisément qu'est-ce qu'on devrait faire à l'allure d'une bougie ou pas. Les grosses actions qui ne demandent pas beaucoup de précision, tu as le droit de le faire. Quelque chose qui demande plus de précision, tu n'as pas le droit de le faire, même si le nerf il est très haut. Mais si toutefois il y a quelqu'un qui te rappelle, tu as le droit de le faire. À plus forte raison si c'est quelqu'un que tu as peur, comme c'est les élèves avec le rave. Mais le rave avec ses élèves, lui, le rave, il n'aura pas le droit de lire parce que les élèves ne pourront pas le rappeler. Maintenant, je reviens en arrière sur la phrase de lo yefalet kelav. C'est quoi lo yefalet kelav? C'est trier sur ses vêtements. C'était, d'accord, j'imagine à l'époque, que ça arrivait d'avoir des puces sur les vêtements. Il fallait les sortir. Alors, il y a une machloquette. On parle, quoi qu'il arrive pendant Shabbat, que la Mishnah nous interdit de sortir les puces qu'on a sur le vêtement. De quoi on parle précisément? Il y a deux avis dans la Gemara. Un avis qui ne fait pas loi, mais je le rappelle quand même, je l'évoque quand même, qui nous dit que Stam n'a pas le droit de sortir une puce de son vêtement et de la tuer. C'est une machloquette en fait. Est-ce qu'on a le droit de tuer un pou ou une puce pendant Shabbat? C'est quelque chose d'assez délicat. Je n'ai pas vérifié dans les livres contemporains comment ils expliquent. Il y a toutes sortes d'êtres vivants qui se multiplient d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'un mâle et d'une femelle. Comme ça, l'Agma explique que les puces et les poux se multiplient d'eux-mêmes. Or, je crois que scientifiquement, à notre époque, c'est sûr que ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas comment interpréter. Mais en tout cas, l'Agma explique que c'est ce qui se passe. Et même l'oparim, il se multiplie tout seul. D'accord? Et de ce fait, on a plus d'interdit de les tuer pendant Shabbat. Il y a une machloquette sur ça. Il y a un avis qui pense qu'il y a un interdit de les tuer. Donc du fait, donc l'Agma me dit, tu n'as pas le droit de trier les puces de ton vêtement Shabbat parce que c'est sûr que tu vas les tuer. Et il y a un autre avis qui me dit, non, il n'y a aucun problème de les sortir pendant Shabbat et même de les tuer, ou au moins de leur mettre un petit coup pour les affaiblir. Mais, en fait, et c'est l'avis qui est retenu à la Halakha, qu'il n'y a pas d'interdit de tuer un pou à Shabbat. Mais il faut lire comme ça la Mishnah. Velo yefalet kelav, velo yikra le oraner. La phrase les oraner à la lueur d'une bougie, il est mis en facteur sur les deux phrases. Autant que j'ai dit qu'il ne faut pas lire à la lueur d'une bougie, tu ne dois pas trier tes vêtements à la lueur d'une bougie, parce que là, tu vas risquer de faire pencher la bougie pour qu'elle t'éclaire plus. D'accord? Mais en journée, il n'y aura plus d'interdit de sortir les poux de son vêtement, et comme ça, c'est fixé pour la halakha. Et je vous ai dit, je ne sais pas comment les contemporains interprètent cette halakha, parce que scientifiquement, c'est plus comme ça à notre époque. Et il me reste maintenant la dernière phrase de la Mishnah, « Kayotsebo » selon le même principe, c'est-à-dire, selon le même principe, qu'on t'interdit de faire une chose de peur que tu vas faire une autre chose, eh bien, lo yochal azav imazava mipne hergel avera. Zav et zava, ce sont deux types d'impuretés qui sortent. Une femme, zava, c'est une femme qui a des écoulements de sang, pas dans ses périodes normales. D'accord? On avait longuement évoqué le sujet dans plusieurs mishnayot. Comment ça se passe? On a eu l'occasion d'en parler. Peu importe, il y a les jours de Nida et le jour où elle est censée ne pas être Nida, 11 jours qui suivent ensuite après son cycle, et si la belle va avoir du sang, elle va devenir Zava. On n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle, autant qu'une femme Nida. D'accord? Maintenant, le Zav, lui, c'est quelqu'un qui a une sorte d'écoulement, c'est pas comme un Balkéri, c'est une sorte d'épanchement un peu différente, ce sont toutes sortes de choses qui peuvent sortir de chez lui. Et chacun, il a une impureté. Le Zav, comme la Zava, ouais, le Zav n'a pas le droit maintenant de... Le Zav et la Zava n'ont pas le droit de vivre ensemble. La Mishnah vient m'enseigner que quoi, que Yotsebo, selon le même principe, lo yocha la Zav imazava. Le Zav, il n'aura pas le droit de manger avec la Zava. Pourquoi? Ipne hergal avera, de peur qu'ils vont s'habituer, se rapprocher un petit peu trop, et puis transgresser un grave interdit d'avoir un rapport ensemble. Et du coup, ils n'ont pas le droit même de manger ensemble. De là, on apprend la fameuse loi des harachakot. Lorsque la femme, elle est nida, on ne mange pas du même plat ensemble, chacun se sert tout seul. On ne mange pas des choses qui peuvent rapprocher nous rendre un petit peu trop familiers et risquer de transgresser un interdit plus grave. Il faut mettre des barrières. C'est selon le même principe qu'on a évoqué dans les Michelles précédentes. On t'interdit cette action de peur que tu vas glisser dans l'autre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de harachakot.